Douche froide dans le ciel martiniquais. Vous ne verrez plus ces avions voler après le 31 mars. La compagnie norvégienne a annoncé l'arrêt de ses activités aux Antilles à la fin de la saison. Après 4 années de vols saisonniers aux Antilles françaises, Norwegian a pris la décision de ne pas renouveler ses opérations la saison prochaine. Il s'agit d'une décision commerciale. En effet, malgré plusieurs tentatives, la rentabilité visée n'a pas été atteinte. Il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, le coût extrêmement élevé pour la compagnie d'ouvrir une base saisonnière en Guadeloupe ou en Martinique. Et enfin, certaines routes qui n'ont pas atteint des taux de remplissage satisfaisants. La compagnie low cost arrivée en décembre 2015 avait beaucoup d'ambition. Les lignes vers les États-Unis avaient pris un bon départ. Je pense que très vite, vous allez voir. Nous serons ici en permanence parce que nous allons revenir avec davantage de vols l'an prochain et davantage de destinations. Il y a la saisonnalité en Europe qui est juin, août, mais en hiver, nous ne volons pas tellement. Alors nous pouvons porter nos forces ici. 4 ans plus tard, fini les belles promesses, Norwegian affiche une dette de 3,5 milliards d'euros et a annoncé un plan de 200 millions d'euros d'économie. Résultat, la compagnie arrête les rotations chez nous. Coup dur pour notre tourisme. 60 000 Nord-Américains ont visité notre île la saison dernière grâce à elle.